Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de APE Agir pour l'environnement, votre rendez-vous hebdomadaire entièrement consacré et bien évidemment à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de pêche et on va tenter de faire le point sur les enjeux environnementaux qui sont liés forcément à la pêche, entre les traditions, les besoins alimentaires d'une population de plus en plus nombreuse. Bref, il y a énormément de choses à voir sur la pêche. On va avoir évidemment plein d'invités. Ce qui est certain, c'est que probablement que les pêcheurs sont les premiers protecteurs de nos poissons, de tout ce qui vit dans le lagon. Alors, agir pour l'environnement quand on est pêcheur, c'est possible? En tout cas, moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire. Cette semaine, APE se penche sur la complexe question de la pêche aux enjeux multiples. Depuis 1970, le nombre de poissons dans les océans s'est réduit, tenez-vous bien, de 49%. En parallèle, le volume de poissons mangés chaque année augmente. La rédaction d'APE est allée sur le terrain pour mieux comprendre comment les professionnels protègent notre lagon tout en tentant de répondre aux besoins de la population. Ensuite, avec nos invités, on va essayer de comprendre l'enjeu de la pêche. Jugez plutôt, on va avoir avec nous Karani Andaza, chargée de mission au parc marin. On aura également Sharif Abdallah, président, entre autres, de la coopérative de pêche de Msapéré. On aura également Bakoko Lahadji de la Covipem et également Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, qui a accepté de répondre à nos questions. Et puis en toute fin d'émission, bien évidemment, on retrouvera Anne-Constance Onguena avec ses chiffres, bien évidemment. On va attaquer tout de suite cette émission APE par un reportage, la pêche au Djarifa, pêche en pirogue, pêche à l'épervier, pêche aux poulpes, pêche de loisirs, chasse sous-marine, pêche industrielle. Les formes de pêche sont extrêmement nombreuses ici à Mayotte. Près de 1600 tonnes de poissons sont prélevées en moyenne chaque année dans les eaux mahoraises. Alors comment concilier les différentes formes de pêche? Comment préserver les traditions? Comment protéger les espèces et leur permettre de se reproduire pour ne pas déstabiliser notre lagon? Nous sommes allés sur le terrain pour tenter de répondre à ces questions avec notamment cette enquête signée Pierre Bellucci, Adèle Laurent, Leslie Vimenet et Abbas Alidi. Reportage et on se retrouve juste après avec nos invités. Comme l'affirme l'un des pionniers de l'écologie humaniste militante, Philippe Saint-Marc, l'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire. Ces mots collent parfaitement au défi que rencontrent les pêcheurs du monde. À Mayotte, le problème de la durabilité des ressources est devenu un enjeu de premier ordre. Dans ce contexte, savez-vous en quoi consiste la pêche raisonnée? Non, je ne sais pas trop ce que c'est. Non, pas du tout, madame. Non. Respecter les dates d'ouverture et de fermeture des pêches. Ou de ne pas non plus pêcher n'importe quelle espèce. C'est de prendre ce qu'il faut et nécessaire à la survie. Pour que ce soit économiquement viable, et tout en maintenant un stock de poissons qui permette de faire un roulement sans affamer les océans. Pas être excessif, c'est tout en fait. Avec 59 villages côtiers sur 71 au total, les produits de la mer sont l'une des bases de l'alimentation des Mahorais. Fruit d'une histoire transmise entre générations, la pêche traditionnelle est encore solidement ancrée dans le quotidien des familles. Néanmoins, les menaces se multiplient et mettent à mal les écosystèmes marins. À l'intérieur du lagon, il y a trois phénomènes. Le phénomène, donc, je dirais, d'envasement du lagon. Donc forcément, les coraux sont plus apparents, les algues disparaissent, la pollution donc étant, les poissons donc eux survivent pas. La pêche traditionnelle est durement impactée par cette raréfaction des ressources halieutiques. Assoumane Mohamed a pu constater cette dégradation au fil des années. À 90, je pêche à peu près 200 kg moins seul. Maintenant, je n'arrive pas à pêcher 15 kg. Et à peu près dans 10 ans encore, il n'y a rien. Ou peut-être demain, si mon fils il vient pêcher, il ne pêche rien. Pour permettre aux espèces du lagon de respirer, les pêcheurs, avec l'aide du parc naturel marin, tentent de modifier leurs activités pour les rendre plus durables. C'est le cas de la pêche aux poulpes, qui a vu sa réglementation changer
pour éviter la surexploitation de cette espèce, les villages de Mbwanatsa et Mtsahara, avec l'appui du parc, ont lancé les premières zones de fermeture temporaire de pêche à pied de Mayotte. Ces 3 mois de repos ont notamment permis aux poulpes d'atteindre leur taille adulte et ainsi de mieux se reproduire. Le fait d'avoir cessé de pêcher pendant 3 mois a vraiment probablement permis aux poulpes de grandir et donc de générer des captures de poulpes bien meilleures après la fermeture. La pêche durable permet de répondre à nos besoins du moment tout en préservant les océans pour les générations à venir. À Mayotte, elle représente le futur si chacun prend conscience que petit poisson deviendra grand. On va évidemment essayer de comprendre ce qu'est la pêche raisonnée, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Karani est avec nous. Karani, c'est quoi la pêche raisonnée? Ça veut dire quoi exactement? La pêche raisonnée, oui, c'est une pêche intelligente. Oui. En fait, elle ne se limite pas à capturer le poisson, oui, ou le poulpe ou les coquillages, oui, mais faire en sorte de pêcher tout en préservant les habitats, le milieu où se trouve le poisson, ne pas le détruire pour que d'autres poissons puissent venir y habiter tout simplement, oui, mais aussi respecter les tailles des poissons. Il y a bien certaines sûr espèces comme les crustacés qui ont des tailles à respecter, des pêches saisonnières aussi. Bien sûr. Donc faire en sorte de respecter et les habitats et les espèces Karani, pour permettre aux poissons de se développer, de faire des petits et grandir. Mais ça, la population, comment elle peut pas l'inventer ça si on ne lui explique pas? La population, les pêcheurs, il y a beaucoup, oui, qui connaissent plein de choses, comme les scientifiques aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le milieu. Nos ancêtres, on ne va pas dire qu'ils ne connaissent pas des choses. Quand tu leur demandes à quelle année on a les petits poissons, les petits carangues, ils arrivent, ouais, à te dire, bien et sûr, ils ne sont pas scientifiques. Bakoko, Ladji est avec nous également. Bakoko, quand on parle de pêcheurs à Mayotte, il y a toutes sortes de pêcheurs. Alors, c'est quoi aujourd'hui un pêcheur à Mayotte? Comment on peut le caractériser? Le pêcheur professionnel, c'est celui qui déjà voilà qui est en règle. Oui. En règle pour moi, c'est celui qui s'inscrit à la chambre. Oui. Et il est déclaré quoi. Est déclaré, oui, en, oui, quelque sorte. Voilà. Oui. Il a l'embarcation qui va bien. Qui va bien, qui correspond aux normes. Oui. Malgré ici, bon, il y a pour le moment, donc on a les barques. Oui. Et il correspond pas tout, voilà, aux normes. Ça va venir. Ça va venir, oui, d'ici 2020, espérons. Mmh. Mais c'est qui correspond vraiment aux normes, voilà, le pêcheur professionnel. Karani, il y a combien de pêcheurs à Mayotte? Vous connaissez le nombre? On n'a pas de chiffre officiel sur le nombre de pêcheurs parce, ouais, que tout Mahorais peut être un pêcheur potentiel. Ouais. Par contre, on a le nombre de pirogues, ouais, 735 pirogues, c'est des chiffres qui datent de 2015, mmh, 144 barques professionnelles, mmh, 400 barques non professionnelles, c'est des barques dédiées à la pêche mais pas déclarées professionnelles. Mmh. Environ en 2012, on a fait une enquête de suivi des pêcheurs, un comptage en ULM. Donc on a recensé, on les appelle les ramasseurs, ceux qui sont autour du platis à marée basse. Oui. On a recensé environ 60 000 ramasseurs pour l'année 2012. Et pour les sorties de Jarifa, on a recensé environ 1092 de sorties de pêche Jarifa. Ouais, donc ça veut dire que ça fait du monde qui doit être informé des règles et du fonctionnement. Est-ce que c'est suffisant pour transmettre toutes ces informations? À chaque fois qu'on fait des sorties de terrain sur le site, c'est aussi l'occasion de sensibiliser les pêcheurs. Mais il n'y a, mmh, pas que les pêcheurs, il y a aussi les scolaires qu'on, mmh, sensibilise par l'intermédiaire des sorties sur le terrain avec les collégiens, les primaires, pour voir ce qui se passe sur le site. Dès le plus jeune âge, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. On a avec nous, évidemment, sur le plateau, Sharif Abdallah, qui est président de Mtsapéré, hein, sur Mtsapéré. Sharif,
Aujourd'hui, on parle beaucoup des pêches traditionnelles. Comment on arrive à caractériser la pêche traditionnelle? Qu'est-ce qui fait la différence entre une pêche traditionnelle et une pêche professionnelle? Malgré que les barques sont motorisées, oui. Mais on pêche à la ligne. Oui. Ce n'est pas les machines qui pêchent, mais c'est on pêche à la main. Oui. Ensuite, la différence, il y a d'autres pêches qui vont à la mer avec des pagaies. Pas un moteur, mais pagaie. Il faut voir le soir les lampes qui sont allumées en plein mer. Mais on les voit, ces petites lumières sur, ouais. sur le lagon. Ce n'est pas des étoiles qui se sont posées sur le lagon, non. C'est bien des pêcheurs. C'est des pêcheurs. Qui pêchent. Hein, oui, qui rament avec des pagaies. Donc, ouais. Voilà cette différence que jusqu'à maintenant, pour moi, on n'a pas une pêche mécanisée, moderne. Ouais. Et là, c'est une information importante que vous nous donnez, Président, c'est que la pêche traditionnelle, c'est la pêche principale à Mayotte. Combien gagne un pêcheur maoré par mois, grosso modo, à peu près? Non, le professionnel, par mois, en moyenne, il est dans le 600 à 700 euros, en moyenne. C'est pas énorme. Hein. Et pour l'autre pêcheur? 100 euros... Ah oui, c'est vraiment rien. Oui, oui. Et donc, clairement, le pêcheur ne peut pas vivre, ne peut pas faire vivre sa famille avec 600 euros. Est-ce que, Karani, ça veut dire quoi? Que ces mêmes pêcheurs sont obligés, ils n'ont pas le choix, d'aller plus loin, de prendre plus de risques pour pouvoir pêcher plus de poissons et donc mieux nourrir sa famille? Oui, tout à fait. Quand on gagne 600 euros, ouais. Déjà, le SMIC, ce n'est pas suffisant pour ouais. faire vivre une famille. Donc oui, ils sont obligés d'aller... De plus en plus loin. Oui, de plus en plus loin, mais tous les jours. Hein. Ils n'ont pas de week-end pour se reposer. Bakoko, est-ce que la coopérative est vraiment la solution pour régler le problème des pêcheurs de Mayotte? Exact, oui. Parce que la coopérative, normalement, une coopérative, c'est on va rassembler les pêcheurs professionnels. Mmh. Donc en premier temps, donc il y aura un échange, la communication et tout, à savoir que il y a des devoirs d'un pêcheur professionnel et des droits. Et pour cela, aujourd'hui, les pêcheurs, comme le président Sharif, il a souligné qu'ils gagnent peu. Mmh. Je m'explique là-dessus. La barque, c'est des barques Yamaha. Ouais, ouais. Et les pêcheurs, ils ont pas les barques, ils sont pas, ils répondent pas aux normes. Moi, je lui dirais, les pêcheurs, ils sortent à la pêche le matin, ils reviennent l'après-midi. Donc, ils consomment du carburant, ils ont pas les moyens, les équipements nécessaires pour rester en mer 2 jours, 3 jours. Donc, pour ceux-là, c'est l'économie. Donc, les pêcheurs, voilà, là-dessus, ils peuvent pas faire des économies. Mais alors comment on fait comment on peut arriver à concilier forcément pêche raisonnée et le besoin alimentaire? Le pêcheur doit ramener tous leurs produits dans les différentes coopératives de l'île et ils sont récompensés par l'Union européenne qu'on appelle le surcoût de compensation. C'est-à-dire que le moment où un pêcheur amenait une tonne de poisson par mois, c'est-à-dire le kilo est rémunéré à 1,90 € pour encourager les pêcheurs de pêcher plus, de ramener dans les coopératives. Malgré tout, les gens jusqu'à maintenant, ils n'ont pas compris, ils vont toujours à côté. À la brouette. Oui, ils vont à la brouette. Ouais. Alors que ceux qui sont compris qu'on voit nos poissons dans les coopératives. Et on lui rachète plus cher. Oui. C'est ça? Oui, oui. Ils gagnent moins et ils gagnent plus parce que c'est payé chaque semestre. Oui. C'est à la fin de semestre que les autres armateurs comprennent que moi que j'ai vendu dehors, j'ai perdu beaucoup de choses. Donc, il y a 2 ans, ceux qui vendaient à la coopérative, maintenant, sont doublés. C'est pas comme avant. On commence à comprendre qu'il faut envoyer la coopérative pour envoyer les fils de pêche aux affaires maritimes. Pour rémunérer. Donc la politique commence à prendre. Eh oui, et c'est une bonne chose. La politique, on a rencontré le ministre Stéphane Travert, qui a en charge évidemment l'agriculture et la pêche. Il a accepté de répondre à nos questions et notamment de nous donner sa vision de la pêche à Mayotte. Regardez. On a un souci à Mayotte, on a beaucoup de pêcheurs qui pêchent avec leur pirogue. Une pêche, j'allais dire, de coutume.
de tradition, et qui aujourd'hui ont un problème, il n'y a plus de poisson. Alors c'est pas vous qui allez faire revenir le poisson, on est bien d'accord, mais eux nous expliquent qu'il n'y a plus de poisson parce qu'il y a des gros bateaux au large qui prennent tout. Vous savez, il y a la pêche côtière et puis la pêche hauturière. La pêche hauturière prive parfois beaucoup de pêcheurs mahorais de ces poissons dont ils ont besoin pour commercialiser. D'abord, moi, je veux que nous soyons fermes sur la pêche illégale, d'une part. Et je crois que c'est déjà un premier geste sur le service que l'on doit rendre aux pêcheurs de l'île. Et puis, faire en sorte que l'on puisse travailler sur, là aussi, la restructuration de l'offre. Quel type de poisson dont avons-nous besoin? Comment est-ce que nous organisons la pêcherie et la commercialisation? Et aussi, comment est-ce que nous faisons pour faire en sorte que l'on puisse moderniser la flotte? Vous le savez, l'Europe permet maintenant aux territoires ultramarins de pouvoir bénéficier de fonds publics pour renouveler la flottille. Et ça, il faut s'appuyer dessus. Nous avons besoin, demain, de renouveler la flottille. Nous ne pouvons plus des pêcheurs qui s'embarquent sur des pirogues parce qu'ils se mettent aussi en danger. Ils ne peuvent pas embarquer de matelots parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Ça va coûter nous avons besoin de former des jeunes. Nous avons besoin de former des matelots. Nous avons besoin de construire des nouveaux navires de pêche, des petits navires, mais nous avons besoin de nouveaux navires. Oui, cela a un coût, mais c'est le développement économique de l'île et je crois que c'est important. Alors, en clair, vous l'avez entendu, le ministre nous explique clairement qu'il faut, pour lui, la priorité, c'est lutter contre la pêche illégale et investir dans les embarcations, notamment avec l'Europe. Il faut savoir monter des dossiers, investir sur les embarcations pour avoir des bateaux aux normes européennes. Oui. C'est pas donné à tout le monde, ça, Sharif. Non, monter le dossier... C'est compliqué. C'est compliqué, mais on a quelques techniciens qui arrivent à monter le dossier. Mais l'Europe nous a autorisé de renouveler notre flotte, mais ils ne financent pas. Le problème qui se pose actuellement à Mayotte, comment financer ce projet-là? Parce que les autres DOM et départements, ils ont leurs kilowattheures qui sont finis, qui ne peuvent plus. Nous, on nous a autorisé parce qu'on est un jeune département. On nous a autorisé de renouveler le flotte, mais le problème qui se pose, c'est le financement. On a la grande chance d'avoir un directeur des affaires maritimes qui a des projets. Je pense que d'ici 2021, Mayotte va avoir ces bateaux normes qui peuvent aller jusqu'à nos bancs. Bakoko, le ministre a insisté, il a dit clairement qu'il faut lutter fermement contre la pêche illégale. Mais c'est quoi la pêche illégale à Mayotte? C'est une pêche qui n'est pas aux normes. C'est lié aux embarcations? Exact, c'est lié aux embarcations. Après, moi, je souligne un petit peu pour ce qu'il a souligné, mon président. On dit toujours, les anciens, ils disent toujours, l'union fait la force. Donc, au niveau de coopérative, moi, je sollicite et j'insiste que les pêcheurs professionnels se réunissent. Parce que la filière de pêche, elle est vraiment fragile. Ah oui. Elle est vraiment fragile. Ouais. Donc, une fois qu'on va se réunir, on va pouvoir, dans un premier temps, échanger entre pêcheurs. Après, on a parlé des droits et devoirs. Donc, c'est surtout pour chercher de l'argent, forcément, pour être honneur. Donc, on doit savoir les droits et devoirs. Et aussi connaître les institutions des filières de pêche existantes à Mayotte et dans l'Hexagone. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des jeunes qui s'intéressent. On ne peut pas compter des jeunes qui sont à l'extérieur, qui suivent des études au niveau des filières de pêche. Alors qu'il y en aura, il y a la possibilité. La pêche illégale à Mayotte, on a beaucoup de bateaux qui sont matriculés plaisance. Ils pêchent beaucoup et ils vont n'importe où. Des fois... moins cher, parce qu'ils n'ont aucune charge. Oui, forcément. La deuxième pêche illégale, des fonctionnaires ici à Mayotte, qui pêchent ou qui plongent, qui va dans les restaurants. Nous, les professionnels, on n'arrive pas à avoir accès dans les restaurants. Il faut voir que nous, qu'ils soient les coopératives, les autres, on n'arrive pas à vendre dans les restaurants. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont bien placés que nous, de bonnes relations, qui chassent, qui vendent dans les restaurants. Donc nous, les professionnels, on n'a pas accès aux restaurants. Donc c'est illégal. Voilà. En tout cas, on a bien noté la problématique sur la pêche illégale. Merci beaucoup, Bakoko. Merci également à Karani d'être venu. Merci également à Sharif d'être venu. On va pour l'instant retrouver
quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément illégal. C'est Anne-Constance pour les bons chiffres. Constance Onguena, bonjour. Bonjour Patrick. C'est vrai qu'on l'a entendu avec Karani tout à l'heure, il y aurait plus de 1100 barques qui pêchent dans notre lagon, ça paraît énorme. Oui, mais dans les faits, c'est pas si énorme que ça, puisque sur les 1144 barques, embarcations, il y aurait 700 pirogues, 3 palangriers, de moins de 10 mètres. Je suppose que vous savez bien ce qu'est un palangrier. Oui, bien sûr. Donc c'est un bateau qui pêche. Expliquez-le pour nos auditeurs. Voilà, c'est un bateau qui pêche à la palangre, c'est-à-dire qui pêche avec une canne à pêche en quelque sorte. Ouais. Et ces bateaux de moins de 10 mètres doivent rivaliser dans les eaux à proximité du lagon avec les fameux thoniers sonneurs qui font 40 à 50 mètres, qui partent en mer pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui ont embarqué des capacités de congélation des poissons pêchés. Donc on ne joue pas du tout dans la même cour, et la pêche mahoraise ne peut donc pas rivaliser avec ce qui se passe dans le lagon. On a beaucoup parlé de la pêche traditionnelle. C'est quoi la spécificité de la pêche au Djarifa pour ceux qui nous écoutent et qui les regardent? Alors la pêche au Djarifa, moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est une pêche de femmes, c'est une tradition qui se passe de génération en génération, à travers laquelle une équipe de femmes va pêcher avec un tissu en tulle, et l'équipe, donc il y a deux personnes qui tiennent le tissu, d'autres qui rabattent le poisson à l'intérieur, et ensuite le poisson est partagé à l'intérieur de l'équipe qui a pêché. Oui, alors elle aime la pêche au Djarifa, mais on n'a jamais vu pêcher le Djarifa. Faudra l'amener Karani, ce serait un plaisir, parce que moi-même je pratique cette pêche-là. Eh bien voilà, je viendrai avec Anne-Constance, on veut voir ça et on veut des images. 10 000 tonnes de thon pêchées par les thoniers sonneurs contre 1 600 tonnes par les bateaux maorés. On ne joue pas dans la même cour, clairement, là. Non, on ne joue pas dans la même cour. Et puis, en même temps, on mange de plus en plus de poissons. Ben oui. Donc, forcément, on a un petit souci. Alors, je vais vous donner des chiffres parce que c'est quand même important. En 1960, un Français mangeait 9,9 kilos de poissons par an et par personne, ce qui correspond à peu près à 66 filets. Donc, 66 fois dans l'année, manger du poisson. Ouais. En 2012, ces 9,9 kilos sont devenus 19,2 kilos par an par personne, ce qui représente 128 filets. Donc 128 fois on mange du poisson, ce qui veut dire qu'en l'espace de 20 ans, on a multiplié par deux notre consommation de poisson. Bah, c'est un changement des habitudes, plus de protéines. Changement alimentaire. Voilà, exactement. C'est quoi le poisson qui est le plus pêché à Mayotte? Le vivano. Ah. Et oui. Alors, moi, je pensais que c'était plutôt le thon ou. C'est la seconde espèce qui est la plus ramenée, mais la première espèce la plus ramenée, c'est le vivano. On passe au petit secret des chatis. Oui, bien sûr. Les petits secrets des chatis. Alors, donnez-nous quelques chiffres, les bons gestes des chatis. Alors là, des gestes. Ouais. Premier geste, c'est je ne mange pas de crustacés en dehors des saisons autorisées. Je crois qu'on l'a bien expliqué avec les invités tout à l'heure. On respecte les tailles des crustacés, les périodes de je ne mange pas de langoustes en dehors des périodes de langoustes. On en trouve à Mayotte, mais il faut respecter les périodes. Voilà. Mm-hmm. Autre geste, je ne cherche pas à consommer du poulpe en dehors des grandes marées, parce que c'est toujours la logique de l'offre et la demande. Hein. On fait respecter la zone de pêche réglementée si le consommateur n'insiste pas pour manger du poulpe à tout moment. Et pourtant, Dieu sait que c'est bon, hein, Karani. Hein. Une soupe de poulpe, là. Allez, on cherche. Je ne consomme pas de poisson pêché par les plaisanciers. Sharif a eu l'occasion de l'expliquer tout à l'heure. Et puis, pour la pêche, comme pour la consommation, je vais privilégier les espèces pélagiques. Oui. Pélagique, c'est-à-dire les espèces locales. C'est ça, entre autres. Merci beaucoup, Anne-Constance, de nous avoir donné tous ces... Je reste quand même assez surpris. Je ne pensais pas que le vivano était vraiment la première espèce de poisson pêché. Je pensais que c'était vraiment le thon ici à Mayotte. Merci à Sharif, merci à Karani, merci à Bakoko. Il faudra revenir sur ce plateau, car il y a encore plein de choses à dire sur la pêche. Pardon, décidément. Nous, on va évidemment se retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de APE, Agir pour l'environnement. Ça sera sur la même chaîne, à peu près à la même heure. Salut.